Un exercice qu'on peut travailler au maximum avec ce genre d'outils, tout simplement un balai où on a scotché un gant et on a pris un rouleau de PQ qu'on a scotché pour pouvoir éviter ce bruit à main. L'idée, c'est de travailler les esquives sur un plan d'axe droit, d'accord? Donc comme un jab ou un cross. L'idée, donc il est en garde de bobs, il est ici, et moi je vais juste venir ici. Donc au début, il va juste travailler ses bobs, tout simplement. Au début, ce que je fais, c'est que je garde un rythme tout le temps similaire, d'accord? Comme un métronome. Plus ça va, plus on va commencer à changer les rythmes. Donc ici, ici, encore, on va travailler. Donc le but, c'est vraiment qu'il rentre aussi un petit peu sa tête. Et ensuite, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va même pouvoir feinter. Comme si on voulait se rapprocher, on vient là, bam, et on vient faire, bam, ici, encore, bam, hop, ouais, bien joué. Et ça, le but. Ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas vous faire mal, parce que vu que c'est le balai, le manche à balai qui est dedans, et là, vous avez un gant qui est vide, ça fait pas mal du tout. Donc du coup, vous allez pouvoir vraiment essayer de toucher. Et c'est super dur à lire, parce que la trajectoire, elle est parfaite, elle est hyper droite. C'est comme si vous faisiez le coup, vraiment, le